Bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en compagnie du PK, PK, Bernard, Bernard le PK, les abonnés Bernard, simplement parce que c'est la guerre de clans, et c'est une guerre qui est assez chaude, assez tendue, donc il va falloir absolument assurer la victoire. Après cette victoire, j'ai aussi gagné un Magical Chest, merci Seigneur. On ira bien sûr faire 2-3, 2-2 matchs je pense. 4720 avant 3, 2, 2 jours avant la fin de saison, donc faut se manier le cul là, faut aller aux 5000 sévères. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Fortnite, David, roi des Bambis. Alors, création du deck. Moi, je vais tout de suite voir les grosses cartes. Je sais pas le cimetière, je sais pas le poison. What the fuck? Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans le chat? Tu vois, j'avais pas du tout préparé la vidéo. Je me suis vraiment dit, on va la faire un peu en mode Walligan. Et je m'attendais pas vraiment à ça. Moi, j'utilise des cartes lourdes, hein, sur des cartes très très lourdes sur les decks. On va mettre la BDF, hein, ça me paraît logique. 4,9? Ah ouais, tout de même. Hein. Ah ouais, tout de même, hein. Tout de même, tout de même. Ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, on n'a pas de PK, on n'a pas de... Ah ouais, j'avoue que c'est chaud quand même. J'avoue que c'est chaud. C'est chaud et à la fois ça se tente. Eh les gars, vous pouvez parier si je vais remporter ce match ou pas. J'avais pas préparé du tout la vidéo. Je sens que ça va être un massacre. Si je perds, j'ai pas perdu beaucoup de guerres de clan. Je tiens à le préciser, hein, j'ai gagné pas mal de matchs, moi, sur mes guerres. Donc, pour le moment, enfin, je sais pas si on a la stat, mais moi, je dois être sur une bonne stat, en tout cas. Ça va parce que j'ouvre des cartes avec mes cartes les moins chères, à peu près. Donc ça, déjà, c'est assez cool. J'ai bien envie d'attendre qu'il ouvre la game. Je vais pas te mentir. Le problème, c'est que ça peut durer très longtemps, ces conneries. On va balancer un petit chevalier. Et on va voir avec quoi il va tenter de le counter. Oh! Il avait sûrement joué la bûche avant. Ça, c'est une petite erreur qui va peut-être me mettre dedans. Enfin, qui va peut-être me mettre bien, du coup. Voilà. Ça, c'est pas mal, hein. Je vais pas te mentir. Ouais. Alors, la boule de feu va attendre une demi-seconde, tout de même. Ok, on a le géant qui va aller s'en mêler un petit peu. On a la princesse qui est protégée pour le moment. Ok, hop. Je protège ma princesse en fait là. Hein. Tu vois, voilà, c'est la protection de princesse. Bon, bah, malheureusement, elle tombe. Bon, après, on a quand même mis 800 points sur le premier push. Ça me paraît honnête, ça me paraît franchement très honnête, donc je suis assez content. La jouer maintenant, ouais, je peux le faire. Je peux le faire parce qu'il vient de jouer sa cabane. Je rappelle que ma BDF pourrait prendre la tour potentiellement avec sa cabane, mais là pour le moment je me suis concentré sur le petit counter. Je suis bien parce que c'est vrai que la princesse du coup... Oh, pff, oh le misplay qu'il vient de me faire quoi. Et bim! Alors là la boule de feu elle est magique. Hein. Pan! Elle prend tout le monde. Donc regarde, hop, petite princesse ici, qui va défendre le tout hein, quand ça va arriver un peu fort. Ah, il est obligé de jouer ça, c'est parfait. Le géant pour prendre des focus. Il y a moyen de lui mettre une belle phase. Il y a moyen de lui mettre une belle phase, je pense. Oh oui, vite la boule de feu, vite, vite, vite. Elle est géniale, elle est géniale cette boule de feu. Avec une petite princesse, elle sera toujours en protection. Bien joué sa BDF là qui vient de tomber, elle fait mal. Hop, petit géant. Ça c'est bien vu aussi. Allez, 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 on tente d'aller mettre quelques points. On a eu le temps de jouer le bourreau derrière. C'est bien joué, c'est une belle défense. C'est une belle défense très propre. C'est une belle défense très propre parce que ça passera pas. Bon, ma boule de feu va faire mal. Voilà, j'ai gratté des points. Va falloir défendre les archers du coup.
Alors, l'avantage que j'ai, c'est qu'il a quand même du mal à passer, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est assez cool. Hop. On va l'obliger à jouer sa bûche. Ouais, on va éviter de se faire trop gratter non plus, hein. Oh, là, il fait des erreurs qui sont... En fait, il fait des erreurs, il me fait ma game, quoi. C'est lui qui pour le moment, me fait ma game. Hop, vas-y, si on peut prendre les petits esprits. Allez, allez, allez. C'est bon, ça. Ça, c'est parfait, ça. Il fait beaucoup d'erreurs. Hein. Il fait beaucoup d'erreurs. Alors, moi, déjà, j'en fais beaucoup. Mais alors, lui, c'est pire encore. Allez. Allez, le géant, il est bien. Ah, la princesse qui va se faire tomber. Ah, avec la boule de feu, ça va quand même faire très très mal. Oh, la BDF, elle est parfaite. Elle fait strike. Cette BDF qui fait strike. Et c'est victoire. C'est le deck qui était très très lourd. Et par conséquent, je pense que le pauvre. Déjà, il fait pas mal d'erreurs en vrai. Et du coup, bon, bah, c'est victoire. C'est victoire par une couronne, certes, mais c'est victoire tout de même. Du coup, on est bien. Et on va enchaîner sur les matchs de ligue. Sur les petits matchs de ligue en espérant faire tout aussi bien. J'ai déjà, vous avez vu, j'ai terminé aujourd'hui mon défi en or. J'ai les 6000. J'ai pris mes 6000 d'or, ce qui est toujours assez agréable. Hein. Ça fait toujours plaisir. Tu prends 6000 d'or, c'est cool. En vrai, ça devrait être en permanence. Il devrait y avoir un truc, hein, rué vers l'or, rué vers les gemmes, rué vers ce que tu veux, vers l'élixir, vers tout ce que tu veux. Mais il faudrait qu'il nous fasse des trucs en permanence pour que ce soit quand même assez intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, Bernard? Bernard, il est chaud. Hein, il est motivé. Il est à fond. Allez, vas-y, c'est parti. Après cette victoire, je suis assez content. Ça m'embête d'ouvrir. Quand j'ai le golem, des fois j'ouvre, parce que je me dis, après tout, je prends pas trop de risques, mais quand j'ai pas le golem, ça m'embête un peu plus. Bon allez, vas-y, méga. Quitte à tenter, hein. Oh, c'est merveilleux. On est kiff-kiff à peu près sur l'élixir. 3, 6, 10, 9 pour moi et 5 et 4 pour lui. Ouais, c'est bon. Parfait. Et j'ai toujours pas le golem. Le golem qui était dernière carte de mon tirage de la main. Ça, c'est pas cool. Je fais même pas jouer le poison. Je devrais. Mais je vais le jouer maintenant. Ah, super. Je vais prendre un archer. Donc, ça, c'est assez cool. Ouais, ça c'est assez cool. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre du tout. Putain, pour le moment, je peux pas trop m'engager sur le push. Vas-y. Ah, le golem il va, putain. Oh, génial. Alors, on va prendre la boule de feu avec tout le monde, hein. Et ensuite, on va quand même y mettre de la défense. Bon, alors, je vais très très bien m'en sortir en fait. Moi, je suis ultra rentable sur ma défense. Parce que j'ai la méga qui est revenue. Hein. Je vais pas te mentir, c'est assez fat. Hein. Alors, parce que le prince y tombe. Logiquement, ouais, magnifique. Incroyable. Beaucoup de chance. Beaucoup de chance sur ce push. Il faut l'admettre quand t'as de la chance. Le fait que la méga gargouille revienne me met clairement très bien. Hein. Alors, attends. Ouais, voilà, j'attendais ça. Voilà, c'est merveilleux. Le golem qui va pas à la tour. Ah, par contre, ça. Oh, ouais, ça va. Je m'en sors bien. Je suis très bien là. Là, je suis aux anges. Je suis aux anges à 15 secondes de la fin. Je me sens très très frais, quoi. Je vois mal comment l'issue de ce match pourrait être différent. Voilà, boum. C'est impeccable, c'est incroyable. Allez, on a 9 minutes 34, on va relancer un petit match. Je t'avoue que je suis assez content. Je suis sur une belle série de victoires, je crois. J'ai perdu un match dans la journée, mais pas des masses. Victoire, 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 défaite. Voilà, victoire, 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 victoire. C'est tout le match, c'est tout le match aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tout le match, on enchaîne les victoires. Je suis assez content.
Voilà, je suis assez content aujourd'hui sur Clash Royale. Un level 13. Ah, voilà, alors là, attention, là, les mauvaises langues vont être dans la partie. Si je gagne, on dira que c'est normal. Mais si je perds, on dira, ah ouais, dès que c'est un level 13, machin, tu fais plus de poids et tout. Donc, j'ai intérêt à bouger mon fion. Ça, c'est bien, ça. Ça, je vais pas te mentir, c'est bien. Ok. Il défend pas le golem. Ce qui est une surprise. Ah. Ah oui. Ça, c'est moins fat, ça. Ça, c'est moins fat, je te le dis tout de suite. Ouais. C'est un calcul qui me plaît moins, ça. Je vais pas te mentir. Hop. Hop. Oh, le bourreau va être sublime. Oh oui. Oh oui. J'adore. J'adore. Continue ainsi. Super. Je peux pas du tout aller chercher au sort la tour principale. Hein. On va pas se mentir. Ouh, pas le. Il tape même pas le. Non, parce que pour le moment, en fait, je suis pas en avance. Hein. Moi, j'ai tapé sa tour principale, mais si tu veux, si on fait un calcul de points, ça me donne rien, quoi. C'est-à-dire que l'une de mes tours est plus basse. Hein. Donc, bon, ça va que le sorcier, il passe pas. Je vais essayer d'amener. Bon, par contre, il va peut-être pas pouvoir ramener directos un. Alors, hop. Ça, si ça, c'est pas un poison de qualité, ça. Regarde. Je prends trois trucs. C'est merveilleux. Bon, voilà. Ça, fallait que je m'en doute. Mais pour le moment, on va pas utiliser la bûche. Voilà, la bûche, je vais l'utiliser maintenant. Voilà. Le sorcier électrique. La méga. Alors je vous rappelle que ma priorité c'est la défense de la tour. Dommage qu'on ait pris un shot. Voilà. Oh non, j'ai loupé. Non, je le prends, c'est bon. Hop. Vas-y, on est pas mal encore là. Oh non. Allez, un seul coup, un seul coup, un seul coup! Yeah, baby! Ça, c'est un match qu'il faut maîtriser. Hein. Je vous l'annonce quand même. Le poison. Hop, les petits gobs qu'on va prendre, logiquement. Ça roule. Tente de mettre la pression là. Je le vois bien. Je le vois bien. Là. Allez, 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 on n'est pas loin là, on n'est pas loin. Contre le deck Mortar! Ok, donc victoire contre le deck Mortier, je suis assez content, comme vous avez pu le voir, j'ai gagné un match Clash Test dans la journée. Ça nous met à 4787 et vidéo undefeated. Undefeated David Kay. Non, ça fait très plaisir. Donc c'était vraiment pour moi un plaisir de vous réaliser cette vidéo, encore plus quand tu fais comme ça un maximum de victoires. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. C'était David K pour ma chaîne YouTube. Passez une bonne journée les potes. Salut, salut!